Salut, petite vidéo pour le début des semis de céréales. Alors pas des semis de blé parce que c'est encore trop tôt pour attaquer les blés chez nous. Déjà il fait trop chaud, trop sec et trop tôt. Je voudrais éviter de commencer avant le 15-20 octobre. Ici nous sommes dans le Conflentais, dans les sables froids et hydromorphes, qui étaient avant en bio, qui sont basculés en ACS. Donc là on va attaquer la troisième culture. J'avais commencé par du tournesol TCS qui était tout à fait correct. Ensuite, c'est ici que j'ai fait le colza en direct derrière le tournesol Express Sun. Donc ça n'a pas trop mal marché. Bon, c'est un secteur où il y a beaucoup de mouillères, c'est-à-dire quand on sème une surface, il y en a au moins 10% qui disparaissent par hydromorphie. Voilà, donc comme c'est des sols drainés avec des drains pas très profonds, j'ai tenu à comme calmer les repousses de colza pour éviter de faire trop de soucis. Et là, dans ce type de terre, on peut pas faire, on fait pas de blé sur les 30 dernières années. J'ai peut-être dû voir une fois du blé, mais en fait, il a vraiment du mal à passer l'hiver, il meurt souvent. Donc avant, quand les parcelles là étaient en bio, on faisait seigle, maïs, en gros, en rotation. Là, il y a eu pas mal d'ensalissement en régras sur la fin. Donc là, le but, c'est de venir semer un triticale, donc qui est plus résistant que du blé. Le semer assez tôt pour qu'il y ait de la racine. Pas un semis épais, ça sert pas à grand-chose. Le but, c'est pas qu'il se casse la figure. Donc je sème entre 200 et 220 grains mètre carré. On va voir le rendu. Hop, je fais souvent de la même manière. Je sème le premier tour. J'enregistre ma ligne de contour. Ensuite, je sème le dernier tour, ici, là. Comme ça, c'est pas semé. J'ai toute une bande qui est pas semée où je peux rouler. Comme ça, je ne roule pas sur mon semis. Après, je viens semer les tours de la parcelle. Les tours, le centre de la parcelle. Vous voyez, c'est un square qui bouge. Alors là, c'est terre sableuse. Donc, n'importe quel outil fait de la terre fine et bouge pas mal le sol. On va regarder ce que ça fait. Là, on voit que la ligne était bien dégagée par les disques. Et la roue de rappui fait son taf. C'est pas mal rappuyé, d'ailleurs bien assez. C'est pas ce qu'on cherche pour des semis de céréales. Et le triticale est là. Donc c'est le triticale que j'avais semé l'année dernière avec les févroles associées, si vous vous rappelez. Donc on l'a trié hier, traité, on fait tout nous-mêmes. Et voilà. Donc je sème à un bon 2 cm, le but c'est de venir de désherber juste après le semis. J'ai attendu avant de venir semer que l'eau soit confirmée. Normalement, on devrait avoir de l'eau samedi, entre 5 et 10 mm, j'espère, et après milieu de semaine. Donc voilà, c'est des terres vraiment hydromorphes. Donc ici, il vaut mieux semer dans le sec que après. Après, ça fait vraiment du sale boulot. Donc là, l'avantage, c'est que ça va très bien. C'est un semoir. Le semoir à disque, je m'en étais servi pour les semis de colza, si vous vous rappelez, derrière tournesol. Donc l'avantage ici, c'est le semoir mécanique. On ne se prend pas la tête. Il n'y a pas d'électrovanne, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de vérin, il n'y a rien, quasiment. On pose, on avance et quasiment imbourrable. Donc on est tranquille ici. On ne se prend pas la tête. C'est un semoir qui convient très très bien dans des terres sableuse ou limoneuse, parce que comme ça on arrive à faire facilement de la terre fine. Tous les sillons, vous voyez, sont parfaitement fermés, alors qu'il y a des endroits c'est trop sec pour faire lever une céréale là tout de suite. Vous voyez, c'est quand même sec, et le soir fait comme de la terre fine. La structure est en train de s'améliorer avec le temps, donc il y a eu deux passages de déchaumeurs il y a 3 ans à peu près, enfin la troisième culture avant, on va dire, et donc ça va de mieux en mieux. Donc il reste quelques repousses de colza à des endroits. C'était des parcelles qui étaient devenues relativement sales. Je voulais vous montrer un peu la structure, comment ça évolue dans les sables. Donc le but, c'est de garder un maximum de chevelure racinaire et de galerie en surface pour que dans ces terres hydromorphes, pour que l'impact de l'eau hivernale soit moindre pour les cultures d'hiver. Alors ça va pas transformer fondamentalement les parcelles,
Le but, c'est qu'elle soit moins pire, mais c'est tout. Je sais par expérience, avec d'autres parcelles de ce type-là, que je laisse en friche maintenant, parce qu'on ne gagne vraiment plus d'argent, qui était comme ça, où j'ai fait 4-5 années. C'était mieux, mais il y a un plus. Mais on transforme quand même pas le... On ne transforme pas le terroir. Il commence... Hop. Tout à l'heure, même en regardant dans les premiers centimètres, je voyais des quelques vers de terre malgré le sec. Et là, on voit toutes ces radicelles là qui sont là. Ben voilà, il y en a un petit là. On voit toutes ces radicelles de surface. Donc, à mon avis, le colza va avoir fait du bien de par son travail dans ce secteur. On peut regarder les pivots en même temps. C'est un bon indicateur d'ailleurs, hein, les colzas ou les radis dans vos couverts. Vous pouvez mettre des pivots, des plantes à pivots. Vous pouvez voir ici. J'ai quand même quelques racines qui se barrent en biais. Hein. Bon, le pivot descend, mais il y a quelques racines qui se barrent en biais. À voir si ça ne retrouve pas le passage de déchaumeur qui avait été fait pour le tournesol à l'époque. Voilà. Donc là ici il faudra pas, ça sera une conduite très light, c'est des parcelles qui sont à une heure de tracteur, je mets une heure à chaque fois pour venir avec un tracteur ici, pour qu'on les fait, ben, on est propriétaire de ces champs là, ça fait entre 36 et 38 hectares en un seul bloc. Le colza avait dû faire autour des 20, 22, 23 peut-être, quintaux. En triticale, donc là on va faire une conduite light en fertile, en fongie, il y aura un seul fongie. La fertile, ben, je ferai peut-être une centaine d'unités en deux passages. On va voir, il faut que j'affine, je suis pas très bon dans la conduite du triticale, mais le but est de faire une conduite économique et pour l'année prochaine, je sais pas encore ce qui sera prêt. Je m'étais posé la question de faire un seigle pour la méta, il y a un méthaniseur qui est pas très loin. Je les ai contactés, je voulais voir si ça les intéressait ou autre. Même après les avoir, je suis même allé sur place, puis ils m'ont pas rappelé, j'ai pas eu de nouvelles. Ça, parce que ça pourrait être une solution, sinon des fois des terres comme ça, faire un seigle avec du trèfle en méta, et puis passer sur un tournesol en strip-till après. Allez, je vais continuer. Salut!